Comment ça va bien, mes amis? Bienvenue pour ce flash info numéro 5. Petit flash info, mais petit flash info bien condensé, avec plein d'infos dedans. Non, surtout une info très importante pour moi. Il y en a une info que j'ai vue hier sur Internet et je me suis dit, là, il faut que je fasse vraiment un bon et un petit condensé flash info. Allez, avant tout, comment ça va bien? Bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo, hein, flash info. Et bienvenue aussi aux tout nouveaux abonnés. Il y en a de plus en plus. Merci, merci, merci. Donc abonnez-vous. Et pour ceux qui me suivent, vérifiez vos abonnements sur YouYou parce que ils sont. Voilà, il y a des choses qui se passent. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, vérifiez vos abonnements, partagez, likez mes vidéos. Merci, merci, merci beaucoup à tous mes amis. Maintenant, vous êtes de plus en plus. Voilà, donc nouveau flash info, nouvelle vidéo, nouvel oracle. Ah, voilà, un peu de nouveauté. Et plein de choses se préparent chez moi. Restez bien, chez Bran, comme on dit, comme ils disent les jeunes, restez bien, chez Bran. Comme on dit, hein, chez moi, parce que moi je suis jeune, restez bien, chez Bran. Voilà, allez. Donc aujourd'hui, nouveau flash info. Donc nouveau flash info avec un coup de gueule que je vous dirai après quel est mon coup de gueule. En tout cas, ce flash info va porter sur une personnalité pour moi qui est importante. Je regarde ma note, hein, comme au journal, c'est pareil, hein, comme au JT. Flash info important. On n'entend rien sur les médias actuels, télé, et radio et autres. J'ai vraiment vu cette info passer et je me suis dit, là, ça m'interpelle parce que je veux vous parler de qui? Je veux vous parler du capitaine Juving Brunet. Voilà. Donc, grosse info hein, sur lui. Vous savez que il a fait sa monnaie libre depuis un petit moment. Il en parle. Ça montait, ça montait, ça montait. J'ai vu que 4000 personnes ont participé sont investis dans cette monnaie libre, 4000 personnes, ce qui représente à peu près 1,3 million d'euros. Bon, ça fait une somme énorme. En tout cas, c'était bien lancé, la machine était bien lancée, hein, tout allait bien pour lui, je pense. Et j'ai vu cette info-là, comme quoi il a été mis en garde à vue, donc une mise en garde à vue toute récente, hein, avec beaucoup de soupçons sur lui. J'avais noté quoi? Oui, il n'a pas demandé l'autorisation à la Banque de France. Il faut toujours demander l'autorisation à la Banque de France et autres pour pouvoir faire sa monnaie et autres. Et apparemment, il ne l'a pas fait. Bon, c'est à vous de voir. Allez vous renseigner sur Internet et autres. Et vous me direz en commentaire, toujours en restant positif, c'est très important. Les investigations, j'ai du mal à le dire, hein, les investigations ont montré que cette personne, le capitaine Juving Brunet, était complotiste, d'accord? Et il s'est servi des fonds récoltés pour un usage personnel. Voilà, je vais demander aux anges et aux guides de là-haut de nous dire un peu leur ressenti qu'ils ont par rapport à plusieurs questions. On verra ça avec des tirages, d'accord? Voilà, avant tout, prenez un petit café avec du sucre, pour ceux qui prennent du sucre, moi j'en ai pas mis, j'en mets plus. Prenez un petit café, on est cool, on est là pendant quelques minutes, une vingtaine de minutes, donc prenez un petit café et on se retrouve tout de suite. Voilà. Allez, je vais le mettre là. Impeccable. Je vais le mettre ici. Donc, on va parler du capitaine Juving Brunet qui est en garde à vue, en mise en détention provisoire. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Nouveau flash info, nouvel oracle. Ici, je vais m'en servir pour faire les tirages. Vous avez bien bu votre café, vous êtes tranquille, vous êtes tranquillou, vous avez raison. Allez, on y va. Avant tout, avant de parler du capitaine Juving Brunet et avant de faire des tirages, mon coup de gueule va se porter cette fois-ci sur le faux, sur le faux qui court, le faux qui inonde Internet sur TikTok, un peu moins sur YouTube, beaucoup sur TikTok. Alors, il y a du faux. À quand voilà-tu hein? Je crois que c'est comme ça que ça se dit. En quand voilà-tu? Je sais pas si ça se dit, vous me direz en commentaire hein, si c'est ça. En tout cas, le faux pullule sur Internet, les faux voyants, les faux médiums, ils sont de plus en plus. Je regardais ça un peu hier quand j'ai fait moi mon live TikTok. J'ai regardé un peu après tout ce qui se faisait. Oh, les jeunes s'y mettent avec. Oh là 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 là, il y en a plein, 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 plein. Donc, vraiment, faites attention à ça. Le faux, on vous attire avec du gratuit et après, on vous demande de payer des sommes
extraordinaire et astronomique, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, bref, c'est un petit mot comme ça en passant. Voilà, vous arrangerez le mot hein, à votre sauce. Moi, c'est astronomique. Astronomique, je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Après, on vous demande des sommes. On vous attire avec du gratuit. On vous répond à des questions souvent. Je regardais avec une carte, deux cartes comme ça à la sauvette. En plus, on sert de ça. Ça, c'est pas bon du tout. C'est vraiment pas bon. La voyance, la médiumnité, toute cette spiritualité, c'est pas un jeu. C'est même si on appelle ça des jeux de cartes, c'est des oracles, c'est des tarots, et ça existe depuis des lustres. Et du coup, faut pas jouer avec ça. C'est pas un jeu. La voyance, la médiumnité, ce n'est pas un jeu. Voilà, là-haut, ça existe bien. J'entends beaucoup de choses d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'a surpris parce que vous savez que je suis en contact avec quelques stars. Bon, je vais pas dire qui, mais même elles, les stars, je vais pas les nommer, mais même elles maintenant. Alors, elles me contactent et quelques temps après, bon, ben voilà, j'ai autre chose à faire donc je ne suis pas que sur cette personne. Et après, j'entends dire, je vois cette personne, par exemple, c'est le cas de quelqu'un. Qui est en train de dire à la télé ou à la radio qu'elle entend les guides, elle entend les messages, bientôt elle va dire qu'elle les voit. Alors dans ce cas-là, c'est pas la peine de venir me voir. Hein. Si vous êtes médium, si vous êtes voyant, eh ben, acceptez les messages qu'on vous donne, mais s'il vous plaît, faut arrêter de raconter tout ça. C'est pas de la rigolade, tout ça. Quand on a des messages, c'est pas de la rigolade. Voilà. Et beaucoup de faux se multiplient sur Internet. C'était mon coup de gueule du jour, hein, parce que là vraiment, ça va trop loin, je trouve. Et voilà, ça, c'est vraiment ça pullule, ça s'exporte. Il y en a de plus en plus. Et vous, là-dedans, c'est vous qui êtes touché. Moi, je ne suis pas trop touché, mais vous allez être touché. Et on va vous faire croire des choses. Et après, vous allez être mal dans votre vie. Ne contactez pas plusieurs médiums, plusieurs voyants en même temps. Sinon, ça s'accélère. Et ça va un peu contre le chemin que vous avez choisi là-haut avant de venir sur Terre. Choisissez bien un médium, un vrai, un voyant, un vrai. Et tenez-en vous à lui. Bien sûr, si c'est moi, c'est encore mieux, mais tenez-vous à qu'un médium et qu'un voyant, c'est très important. Allez pas éparpillez-vous pas, quoi, en fait, parce que sinon, c'est tout faux, ça. D'accord? Voilà. Allez, oui, il faut mieux payer un petit peu, comme moi, 5 euros sur TikTok ou sur YouYou. Bon, c'est un peu plus cher en consultation privée, mais c'est normal, c'est un travail. Moi, j'ai les contacts là-haut, donc je vous dis vraiment les messages. Faut pas aller voir Gugus. Alors j'appelle à chaque fois Gugus, mais c'est pour imaginer un peu comme ça le voyant ou la médium d'à côté sur TikTok qui vous fait gratuitement. Méfiez-vous de ça. D'accord? C'était mon coup de gueule du jour. Ok. Allez, on prend un petit café et on va passer vraiment au capitaine Juving Brunet maintenant. Hop, très bon le café, sans suc. Voilà. Hop. Ouh, vous avez vu la bougie? Ah, ça les énerve. Je peux vous dire que ça les énerve vraiment. Je pense que ça va recommencer au niveau de la bougie. Parce que là où ils n'aiment pas du tout hein, qu'on joue avec ça, c'est le contact y est. L'après-vie, là-haut, ça existe vraiment. On ne doit pas rigoler avec ça. Hein. Les faux, attention, même dans votre vie personnelle à vous, méfiez-vous. On ne joue pas avec ça. Regardez la bougie. Regardez-la bien. Regardez-la bien pendant que je parle et vous allez voir qu'elle interagit toute seule. Par rapport à ces faux voyants, ces faux médiums, c'est vraiment quelque chose qui les dérange là-haut. Pourquoi? Parce que ça nous fait un peu de l'ombre à nous les vrais médiums, nous les vrais voyants. Après, on n'y croit plus, vous croyez plus, même au vrai. Et ça devient embêtant. Parce qu'après, vous allez avoir des blocages dans votre vie, des blocages sur votre chemin, et vous n'allez plus faire appel à nous, alors que nous, on est là pour vous aider avec eux. Vous avez vu la bougie? Vraiment, vous allez faire appel à nous. Et avec mon aide, eh bien, ils vont pouvoir vous passer des messages qui vont améliorer votre vie terrestre. D'accord? Arrêtez les faux. C'est très important. Allez, on y va. Hop, PPA, je vais le mettre ici un peu. Merci, hein, vous avez vu cette superbe, superbe cadeau. Vraiment, waouh, c'est du fait maison. Merci pour tous les cadeaux. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà, là, je le mets un peu là. Et maintenant, je demande aux anges, aux guides, justement, la flamme, elle a changé. Hein. Vous avez vu la flamme? D'un coup, comme elle a fait? Impressionnant. Allez, je demande aux anges guides
de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre aux questions. Et là, la première question, c'est quoi? Le capitaine Juving Brunet, est-il honnête? Est-il droit? Est-il dans l'honnêteté, cet homme que je ne connais pas particulièrement? On va demander ça aux anges et aux guides. Voilà. Allez, Fred Durac, c'est bon? Impeccable. Hop, on étale les cartes ici. Première carte. Allez, on y va. Tirage, je me concentre un peu, je reste bien concentré. Le capitaine Juving Brunet, en garde à vue. Est-il honnête? Regardez la bougie pendant ce temps-là. Je ne fais rien sur la bougie. Hein. Regardez bien. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout. C'est la bougie qui... En fait, c'est des manifestations parce que les anges sont là, les guides sont là et ils sont un peu... Voilà, tout ça, ça... Nous, ça... Quand on voit ce qui se passe, ça, ça nous perturbe. Mais eux aussi, là-haut, ça, ça les perturbe aussi. D'accord? Allez, premier message. La forêt enchantée. Le mystère, la magie et moi. Bon, voilà, la forêt enchantée, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'on voit bien d'abord la carte? J'espère qu'on voit bien la carte sur le téléphone. Oui, ça ira. Bon, j'espère que ça ira. La forêt enchantée, c'est tout ce qui tourne autour de la magie. Donc, attention, à partir du moment où vous êtes dans la lumière, sur Yu-Yu ou autre, comme le capitaine Juving Brunet qui s'est mis en avant, candidat à la présidentielle, hein, quand même. Donc, il s'est mis en avant, il a beaucoup d'idées. Et ça, il se met en avant. Et à partir du moment où on se met en avant, eh bien, tout le monde le voit, tout le monde me voit, tout le monde nous voit, en fait. Et tout ça, après, on parle de nous, du bien ou du moins bien. Mais en tout cas, tout ça, ça fait de la magie. Première carte ici, la magie, ça montre que eh bien, lui a de la magie, hein, puisqu'on parle de lui, il est connu, et ça, c'est jamais trop bon. Ça veut dire qu'il dérange un peu, hein, il dérange un peu un système qui est mis en place avec sa monnaie libre. Voilà, c'est le premier message. Deuxième message, on a quoi? L'appréhension, sortir de soi-même, doute et la peur. Voilà, regardez, l'appréhension ici, ça montre quoi l'appréhension? Un peu, je baisse un peu peut-être, voilà. L'appréhension, ça montre que... Maintenant, il a peur. Maintenant, il est dans un engrenage où il s'est mis en avant. On l'a prévenu. Il n'a pas fait peut-être les choses dans les règles, mais en tout cas, la peur est là pour lui. Il n'est plus comme avant. Il est un peu perturbé par ça. C'est normal. Il est en détention. Donc, il, au point de vue de la loi, est-ce qu'il a été honnête? On va voir ça tout de suite. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est quelqu'un qui est honnête pour moi. Voilà, ça ressort bien. Regardez ici, ça ressort bien. Donc, c'est comme en la carte. Un joyau dans une larme. Un joyau dans une larme. Elle est belle, cette carte. Regardez. Un joyau dans une larme. Eh bien, ça montre un joyau dans une larme. Parce que lui, c'est un joyeux joyau. Dans la larme, c'est un peu le monde dans lequel on est. On n'est pas... Voilà, bon, si on est quand même bien, il y a des pays, c'est pire. Voilà. Mais quand même, on est dans une ambiance où l'ambiance est pesante. Et lui, c'est un peu le joyau. C'est voilà. Il est honnête quand même. Il est honnête dans ce qu'il voulait faire. La monnaie libre, c'est quelque chose d'honnête. Mais voilà. Après, il faut bien faire les choses dans les règles. Allez, dernière carte pour ce qui concerne son honnêteté. Voilà, tout ça. C'est quoi le dernier message? Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc, regardez bien, amour perdu, hein, ça veut dire la guérison, la libération. Donc, pour lui, il faisait ça dans l'honnêteté. Je pense qu'il va prouver un peu qu'il est honnête, que ça va dans le bon sens, et qu'il voulait faire ça dans les règles. Et voilà, je pense qu'il va quand même s'en sortir. C'est vraiment le message qu'on peut voir ici, d'accord? Voilà. Allez, donc, va-t-il être condamné? Pour moi, non, il va s'en sortir, il va essayer de prouver, il va peut-être avoir des amendes, mais pour moi, il ne va pas rester en détention, j'espère pour lui, hein, parce que voilà, il faut quand même être, voilà, quand on est honnête, il faut aller dans le bon sens, il faut croire en la justice terrestre et la justice divine. Voilà, donc ça va le faire pour lui. Allez, une autre question que je voulais faire maintenant, la monnaie libre, celle qui l'a mise en place, hein, c'est important, il n'y a pas que lui, il y a plusieurs autres monnaies, hein. Le Bitcoin, tout ça sur Internet aussi, ça en fait partie. Et donc, qu'est-ce que c'est? Je voulais savoir, demander aux anges et aux guides, est-ce que c'est la solution pour un monde meilleur, ces monnaies-là, comme la monnaie libre, comme la monnaie Bitcoin, tout ça. Est-ce que ça peut être une solution? Est-ce que ça peut être la solution pour un monde meilleur? Vous voulez qu'on demande ça? Allez, on demande ça. C'est toujours en relation avec le capitaine Juving Brunet, qui est en détention provisoire. C'est pour ça que je vous fais ce flash info numéro 5.
pour vous, pas vous alerter, mais pour vraiment, comment dire ça, que vous soyez au courant de ce qui se passe un peu dans le monde, en France, dans le monde et autres. D'accord? Allez, la monnaie libre. Est-ce que c'est la solution pour un monde meilleur? Accomplissement, restez concerné sur ses rêves. Voilà, restez concentré sur ses rêves, c'est ça, hein? Oui, non, restez concerné ou concentré, c'est un peu pareil. En tout cas, restons tous concernés par nos rêves, c'est important. Lui, son rêve, c'était d'avoir une monnaie libre, un peu une monnaie en parallèle de l'euro, voilà, ou peut-être à aider certaines personnes qui sont plus dans la souffrance que d'autres. Donc, c'est quand même, et ça nous le redit ici, ça peut être vraiment la solution pour sortir, pour avoir un monde meilleur. Deuxième message, c'est quoi? L'améthyste, transformation, certitude, confiance. L'améthyste, j'adore. Bon, ben là, je ne l'ai pas sur moi, l'améthyste, mais je l'ai souvent. Ah, si, il est là en bracelet. Voilà. L'améthyste, c'est la confiance. Il faut avoir confiance en ce qu'on fait. Lui, il avait confiance, mais il faut toujours rester dans les clous, rester toujours bien droit. Voilà. On est dans un système. Il faut aller dans ce système-là tout en essayant de le changer. Voilà, l'améthyste ici, ça montre que. Eh bien, qu'il faut faut avoir de la confiance. Et la monnaie libre, comme d'autres monnaies, je pense, et c'est ce qu'ils nous disent là-haut, ça peut être la solution vraiment pour un nouveau monde, un monde meilleur. Encore une carte, la purification de l'eau, purification des émotions, rajeunissement. Voilà, l'euro, tout ça, les monnaies qu'on connaît, les monnaies qui sont actuelles ou qui viennent d'avant aussi, hein, comme le franc, comme tout ça, comme vous dans votre pays, hein, le dollar et autres, eh bien, tout ça, ce sont des monnaies qui datent depuis longtemps. Il faudrait peut-être un rajeunissement de tout ça, la purification de l'eau et là, notamment de la monnaie. Donc, je pense encore, et c'est encore le message qui va dans ce sens-là, c'est vraiment, je suis un peu perturbé par une âme qui est là. La bougie, elle va sûrement se remettre à bouger au niveau de la monnaie. Ça m'a coupé du coup. Purification au niveau de l'eau, oui, une nouvelle monnaie qui peut émerger comme ça, c'est possible et c'est pour un monde meilleur. D'accord? Allez, encore une dernière carte par rapport à ça. Est-ce que la monnaie libre ou une monnaie parallèle comme ça peut être la solution pour un monde meilleur? Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Voilà, on va finir avec ce message parce que ça, c'est le beau message. Un message, voilà. Regardez bien, un jour heureux. On voit bien, on voit bien, on voit bien. Voilà, j'espère qu'on voit bien. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles, une issue heureuse avec la monnaie libre ou la monnaie Bitcoin ou d'autres sortes de monnaies. Hein. Il y a plusieurs régions où ils ont un peu de la monnaie comme ça, parallèle. Ça fonctionne très bien, mais il faut toujours rester dans les clous. On est dans un système, je vous le répète, où il faut rester dans les clous et on doit faire attention à ce qu'on fait. Il y a des règles, comme partout, il y a des règles. D'accord? Voilà le message. C'est le message que la solution d'un monde meilleur, ça passe par une nouvelle monnaie. Voilà. Et pour finir, du coup, comme il faut une nouvelle monnaie, comme l'euro pour nous, hein, les Européens, l'euro, c'est une monnaie qui est ancienne quand même, elle date de plusieurs années maintenant. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer cette monnaie-là? Donc l'euro à venir ou pas? C'est la dernière question. Euro, l'euro, la monnaie, l'euro, est-ce que c'est l'avenir pour tous, pour les Européens? Est-ce que c'est une bonne solution? Déjà, l'âme qu'elle a, elle me dit non. Je remonte mes manches parce que je suis un peu perturbé par ça. Je remonte mes manches, ça va être chaud patate là. Monsieur chaud patate commence à avoir chaud patate avec l'âme qu'elle a et qui me perturbe. D'ailleurs, je vais boire un petit café, ça vous dérange pas parce que l'âme qu'elle a, c'est chaud patate. Voilà, l'âme qu'elle a, c'est un peu chaud patate. Je vous dirai après hein, son message parce qu'il est là, il veut vous passer un message. On reste sur l'euro, sinon je vais m'éparpiller. Laisse-moi finir. Vraiment, merci. Et du coup, l'euro, à l'avenir de l'euro, alors, c'est bon ou pas? Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Au départ, on pensait que l'euro allait nous sauver un peu du monde, voilà, du monde négatif dans lequel on était. Le franc français, voilà, fallait l'Europe, tout ça. Peut-être que c'est la solution. On me le dit par là-haut. Ce qu'on me dit, c'est que tout le monde pensait que l'euro allait nous sortir de ça. Et en fait, on se rend compte qu'avec le temps qui est passé, eh bien, est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que c'est vraiment l'épanouissement, l'harmonie, le bonheur?
tout ce qu'on croyait au départ, vous avez vu la bougie, regardez la bougie pendant ce temps-là, je vais la rapprocher un peu, comme ça vous verrez. Hop, voilà. Regardez la bougie. Donc on pensait que c'était du bonheur, tout ça, l'euro, des émotions passées refont surface, le souvenir. Et bientôt, ça ne sera qu'un souvenir, l'euro. Regardez ce qu'ils nous disent les anges et les guides. Bientôt, la monnaie, l'euro, sera qu'un souvenir. Oui. Oui, Daniel, c'est Daniel qui est là. Je vous laisse un peu réfléchir qui veut passer un message par rapport à ça. Il est très, très perturbé par ça, par la monnaie, l'euro. Voilà, il vous dira un message au final. Daniel, je vous dirai qui c'est. Hein. Souvenir, donc l'avenir de l'euro, il n'y en a pas trop. L'euro va changer, l'euro va pas durer dans le temps. C'est pas pour tout de suite, ça va prendre peut-être plusieurs années, mais l'euro va changer, l'euro sera modifié. Peut-être plus d'euros non plus, hein. Ça sera plutôt de la monnaie Bitcoin ou la monnaie libre, comme il l'appelle le capitaine Jeving Bonnet. On verra. Encore un message. La guérison, retrouvaille avec votre véritable nature. Oui, on en a besoin, hein, la guérison. Tout le monde a besoin de la guérison. Exactement. Et l'euro qui devait sauver tout le monde ne sauve pas grand monde en fin de compte, puisqu'on est tous pris dans cet engrenage avec l'inflation, les prix qui augmentent. L'euro, ça devient vraiment compliqué et c'est ce qu'ils veulent nous montrer encore là-haut. Hein. Pas vrai, Daniel? Daniel, qui est là. Allez, une dernière carte, le dernier message par rapport à l'avenir de l'euro. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Voie de la moindre résistance. Ça veut dire que c'est chaud patate. Ça veut dire que l'avenir de l'euro, oui, Daniel, l'avenir de l'euro, il n'y en a pas trop, vous verrez, dans les mois, dans les années à venir. Ça va être de plus en plus pas facile. Les prix augmentent, ça va continuer d'augmenter. Beaucoup d'âmes en souffrance, hein, de plus en plus sur Terre, ça, c'est pas bien. Il faut agir, il faut qu'on reste unis. Pas vrai, Daniel? Allez, je voulais pas finir sur ça, mais je finirai avec Daniel quand même après. Non, je vais finir avec l'équipe de France. Je vais passer le message tout de suite de Daniel parce qu'il ne veut pas attendre. Donc, Daniel qui est là. Daniel qui est là. En fait, c'est Daniel Balavoine, bien sûr, qui est là. Ce n'est pas lui, c'est son âme qui est là. Et quand on parle d'argent, ça le dérange un peu. Et vraiment, ce qui le dérange, c'est tout ce qui est mis en place par rapport à l'euro, toute cette continuité qu'il y a. Et lui, de là-haut, il veut vous dire à vous, tous qui regardez, eh ben, il veut vous dire que tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'être humain, c'est pas bon pour l'avenir d'être ensemble, unis, dans le bonheur, puisque de plus en plus d'âmes souffrent. Oui, beaucoup en plus d'âmes souffrent. Et on n'aide pas les gens, en fait. On essaye d'aider, c'est un. Comment dire ça? C'est simplement une petite avancée comme ça pour aider les gens. Oui, il est là. Pour aider les gens, c'est une petite avancée, mais on ne les aide pas vraiment, hein, puisque il y en a qui ont des petites retraites, qui n'arrivent plus à avoir le bout de la semaine, je dirais. Même, on parle même plus en mois, on parle du bout de la semaine. Les jours sont compliqués, les jours ne sont pas faciles. Les chômeurs, c'est pareil, on ne trouve plus de travail ou c'est pas facile. Même s'il y a du travail, on a un poison. Il y a quelque chose qui m'a fait rire, et lui, ça ne le fait pas rire du tout. Ok, on appelle ça un job, comment on appelle ça? Un job alimentaire. J'ai vu ça maintenant. Alors ça, c'est le mot à la mode. Ça pouvait être j'ajoute un deuxième coup de gueule, un job alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Daniel Balavoine, son âme qui est là. Et il dit, vous êtes prêt à faire un job alimentaire, vous? Bah, faites un job alimentaire, on va rien vous payer. C'est bien, c'est un job alimentaire, ça va vous quand même vous faire gagner de l'argent. Mais est-ce que vous allez être content d'aller à ce job alimentaire? Est-ce que vous allez bien faire ce job alimentaire? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire? Et après, on se retrouve dans des situations où on n'a pas envie d'aller bosser, alors on y va quand même pour l'argent. Et en fait, est-ce qu'on fait bien son travail? Pas forcément quand on est forcé. Ça, c'est vraiment une pensée, hein, qu'il a, et c'est la pensée qui veut vous faire passer vraiment. Donc on y va en marche arrière. Alors quand c'est au niveau, voilà, quand on fait un travail, on fait une dalle en béton, on loupe la dalle en béton, c'est pas trop grave. Par contre, quand on va faire un boulot au niveau de la santé et qu'on loupe vraiment, qu'on loupe son remède, j'allais dire, qu'on loupe, alors au niveau de la santé, ça pardonne pas. Il y a l'être humain qui est là. Au niveau de la santé, ça peut être aussi, voilà, au niveau de l'urgence, on peut pas forcer des âmes là-haut, on peut pas les forcer à faire un job alimentaire. Le job alimentaire n'existe pas, c'est pas possible ça.
de faire un job alimentaire. Ça m'a choqué et ça le choque. Et dans ma voix, vous ressentez vraiment que quelque chose est là, quelque chose est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui dérange. Il y a des blocages avec ça. Le job alimentaire, ça ne doit pas exister. On doit faire le travail qu'on veut faire. On peut pas, on faisait une fois, deux fois, trois fois, moi je ne sais même plus au chômage maintenant, mais une fois, deux fois, eh bien, après on est obligé de faire un job, sinon on nous enlève du chômage. C'est pas bien, il n'y a pas de job alimentaire. Il faut que tout le monde s'entraide. Quelqu'un qui veut être, je vais prendre l'exemple d'une infirmière, eh bien, doit pouvoir être infirmière. Quelqu'un qui veut faire garagiste, qui veut réparer des voitures, un jeune, il a le droit d'être garagiste. On ne doit pas lui dire, toi, tu ne feras pas garagiste, même si tu as le diplôme pour, tu vas faire boucher, tu vas aller, parce qu'on n'a pas de boucher dans le village. Et vous croyez que le petit jeune garagiste, il va vouloir aller faire, il va être content de faire boucher? Moi, je pense pas. Donc, pas de job alimentaire. C'est son message là-haut. Encore un message comme ça qu'il a. C'est un peu toujours le message qui revient de toutes les âmes là-haut. Il faut se réveiller, il faut pas se laisser faire. Alors, je n'appelle pas la révolution, bien sûr, sorte ou pas moi, parce que j'ai confiance. J'ai confiance aux âmes, vraiment en général, même si voilà, il y a certaines âmes qui sont basses et qui ont un peu les manettes, peu importe. En tout cas, il faut vraiment avoir confiance, l'amour entre tous, ensemble. Il faut s'entraider. S'entraider, c'est qu'on s'entraide les uns les autres. D'accord? C'est le message de Daniel Balavoine. Et il dit que, heureusement, il me dit un petit message comme ça. Il me dit, heureusement que je suis plus sur Terre non plus. C'était un peu aussi le message de Coluche, de tous ceux qui étaient un peu dans les années passées, un peu dans la, voilà, dans le conflit, qui avait une autre pensée. Et heureusement qu'il est plus sur Terre à l'heure actuelle, parce que je pense, il me dit hein, qu'il durerait pas longtemps et qu'il serait vraiment. Il serait, voilà, on le verrait plus longtemps en fait. Ça serait vite chaud patate avec Daniel Balavoine. Je pense que oui. Je pense que ça aurait déjà un peu tout, voilà, ça vraiment tout remué. Hein. Allez faire, comment dire ça? Imaginez-vous qu'on dise à Daniel Balavoine, tu vas pas chanter maintenant, tu vas aller faire quoi par exemple? Tu vas aller faire plombier, même si j'ai rien, voilà, les plombiers, il en faut, et vraiment, c'est un beau métier. Mais je veux dire que on peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il veut pas faire. Faut pas être obligé. Donc, à un moment donné, il faut se réveiller. D'accord? Toujours dans la bienveillance, dans l'entraide. C'est dans l'entraide qu'on arrivera à changer ce monde dans lequel on est. D'accord? Voilà. Allez, merci à tous. C'était le message. Je leur remercie, hein, Daniel Balavoine, d'être venu comme ça, la bougie toujours qui crépite. Je vais peut-être enlever si j'y arrive. Est-ce qu'il va nous regarder? Comme ça, vous verrez peut-être mieux. Est-ce qu'on voit bien sur le. Je vais peut-être la reculer, vous verrez bien. Voilà, comme ça. Je vais finir. Hein. Merci, Daniel. Hein. Merci. On le reverra sûrement dans d'autres lives. D'ailleurs, en parlant de live, message des stars du ciel numéro 5, samedi qui arrive. Donc, abonnez-vous à Frédéric 113 Medium YouYou, ce YouYou. Pour ce live des messages des stars du ciel numéro 5 à venir samedi à 21h, abonnez-vous. Voilà. La gagnante ou le gagnant du concours Essence Mana et Fred Jack 113 Medium, le tirage au sort est en route. Voilà, j'attends la réponse et je vous donnerai, dès que j'ai la réponse, je vous donnerai qui est le gagnant ou la gagnante. Et de toute façon, Essence Mana va prendre directement rendez-vous, va prendre directement contact avec la personne qui a gagné et recevra le beau plateau de rechargement. Voilà. Donc, le tirage est en cours, ça va se finir. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? J'avais rien d'autre à dire si une grande nouveauté arrive. Je vais finir par ça. Vous savez, hein, j'ai souvent Jean-Pierre Pernaut qui vient comme ça, comme Balavoine, quelquefois, il vient, l'âme vient là, il m'envoie des messages. Et souvent, il me met un message à moi. Et la dernière fois, il est venu et il m'a demandé de faire quelque chose de différent, voilà, par rapport à moi. Donc, c'est la grande nouveauté qui va arriver bientôt. Je suis en préparation avec ça. Alors, je continue à répondre à tous en privé. Je fais des consultations privées, des invocations, je fais, je continue, vous inquiétez pas. J'oublie personne. Même si je vous réponds pas, j'oublie personne. Donc, je continue à vous répondre en privé. Si vous avez besoin de moi au niveau de la santé, au niveau du professionnel, au niveau de la voyance, du médiumnité, du magnétisme pour la santé sur photo, ça marche très bien de plus en plus. Donc, contactez-moi, Frédéric 113@gmx.com.
.fr, c'est ici, d'accord? Et donc, je continue ça, mais il y a vraiment une grande nouveauté qui arrive. Vous allez voir, ça va révolutionner un peu le monde de la voyance. Mais je ne vous en dis pas plus, d'accord? Allez, je vous embrasse tous vraiment beaucoup. Merci d'avoir été présents. Alors, je vais avancer un peu là. Ah, il est parti. Je pense qu'il est parti. Peut-être qu'il reviendra avant la fin de ce Flash Info. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous embrasse tous. Je vous envoie tous des ondes positives. Et je voulais quand même, bien sûr, je voulais quoi avant, vous me connaissez un peu, toujours dans la toujours dans la, un peu la folie. Eh bien, allez les Bleus. On n'oublie pas que les Bleus sont qualifiés pour... Hop, je vais mettre ça comme ça. Allez, à l'arrache, on fait ça à l'arrache. Toujours à l'arrache, mais toujours dans la bienveillance. Je mets ça là, je me rhabille un peu. Allez. Et vous savez quoi? Eh bien, on dit quoi? On dit « Allez les Bleus !» Et là, ça va être chaud patate. Parce que pourquoi? Parce que dimanche, on voit bien, oui, dimanche. Eh bien, dimanche, c'est huitième de finale contre l'Argentine. Hein, je crois que je ne me trompe pas. Je crois que c'est bien ça. Je n'ai pas trop suivi, mais il faut que je me remette à la page. « Allez les Bleus !» Même s'ils ont perdu contre la Tunisie, belle équipe de la Tunisie. On est qualifié. C'était l'équipe B. J'avais dit l'équipe de France gagnante, peu importe. C'est une petite orientation différente. Je vous referai, bien sûr, samedi soir au live des messages des stars du ciel numéro 5. En direct, je vous ferai un petit tirage. Je vous dirai qui va gagner le lendemain, le dimanche, entre l'Argentine et la France. Voilà. Allez, je vous embrasse. Merci à tous. Merci. Et allez les Bleus. Allez les Bleus. Voilà. Coup de sifflet final. Merci à tous. On finit avec la musique. Je vous embrasse tous, hein. Tous vraiment, abonnez-vous, vérifiez vos abonnements à Fred Hulak 113 Medium, vérifiez vos abonnements, si vous êtes désabonné, vous vous réabonnez, c'est comme ça, d'accord? Allez, et allez les Bleus, ciao ciao mes amis, je vous embrasse tous. Ciao.